Bonjour, bienvenue sur notre chaîne des mots sur les murs. Aujourd'hui, je vais vous dire Les oranges d'Alphonse Daudet. À Paris, les oranges ont l'air tristes, de fruits tombés, ramassés sous l'arbre. À l'heure où elles vous arrivent, en plein hiver, pluvieux et froid, leur écorce éclatante, leur parfum exagéré dans ces pays de saveurs tranquilles, leur donne un aspect étrange, un peu bohémien. Par les soirées brumeuses, elles longent tristement les trottoirs, entassées dans leur petite charrette ambulante, à la lueur sourde d'une lanterne en papier rouge. Un cri monotone et grêle les escorte, perdu dans le roulement des voitures, le fracas des omnibus. À deux sous la valance ! Pour les trois quarts des Parisiens, ce fruit cueilli au loin, banal dans sa rondeur, où l'arbre n'a rien laissé qu'une mince attache verte, tient de la sucrerie, de la confiserie. Le papier de soie qui l'entoure, les fêtes qui l'accompagnent, contribuent à cette impression. Aux approches de janvier, surtout, les milliers d'oranges disséminées par les rues, toutes ces écorces traînant dans la boue du ruisseau, font songer à quelques arbres de Noël. Gigantesques, qui secoueraient sur Paris ses branches chargées de fruits factices. Pas un coin où on ne les rencontre. À la vitrine claire des étalages choisis et parés, à la porte des prisons et des hospices, parmi les paquets de biscuits, les tas de pommes, devant l'entrée des bals, des spectacles du dimanche, et leur parfum exquis se mêle à l'odeur du gaz, au bruit des crin-crins, à la poussière des banquettes du paradis. On en vient à oublier qu'il faut des orangers pour produire les oranges, car pendant que le fruit nous arrive directement du midi à pleine caisse, l'arbre, taillé, transformé, déguisé de la serre chaude où il passe l'hiver, ne fait qu'une courte apparition au plein air des jardins publics. Pour bien connaître les oranges, il faut les avoir vues chez elles, aux îles Baléares, en Sardaigne, en Corse, en Algérie, dans l'air bleu doré, l'atmosphère tiède de la Méditerranée. Je me rappelle un petit bois d'oranger aux portes de Blida. C'est là qu'elles étaient belles, dans le feuillage sombre, lustré, vernissé. Les fruits avaient l'éclat de verre de couleur et dorait l'air environnant avec cette auréole de splendeur qui entoure les fleurs éclatantes. Ça et là, des éclaircies laissaient voir à travers les branches les remparts de la petite ville, le minaret d'une mosquée, le dôme d'un marabout et au-dessus l'énorme masse de l'Atlas. Verte à sa base, couronnée de neige, comme d'une fourrure blanche, avec des moutonnements, un flou de flocons tombés. Une nuit, pendant que j'étais là, je ne sais pas par quel phénomène ignoré depuis 30 ans, cette zone de frimas et d'hiver se secoua sur la ville endormie, et Blida se réveilla transformée, poudrée à blanc.
dans cet air algérien si léger, si pur. La neige semblait une poussière de nacre. Elle avait des reflets de plumes, de pans blancs. Le plus beau, c'était le bois d'oranger. Les feuilles solides gardaient la neige intacte et droite, comme des sorbets sur des plateaux de lac. Et tous les fruits poudrés à frimas avaient une douceur splendide, un rayonnement discret, comme de l'or voilé de clair, étoffes blanches. Cela donnait vaguement l'impression d'une fête d'église, de soutane, rouge, sous des robes de dentelle, de dorures d'autel enveloppées de guipures. Mais mon meilleur souvenir d'Orange me vient encore de Barbicalia, un grand jardin auprès d'Ajaccio où j'avais fait la sieste aux heures de chaleur. Ici, les orangers plus hauts, plus espacés qu'à Blida, descendaient jusqu'à la route, dont le jardin n'était séparé que par une haie vive et un fossé. Tout de suite après, c'était la mer, l'immense mer bleue. Quelles bonnes heures j'ai passées dans ce jardin. Au-dessus de ma tête, les orangers en fleurs et en fruits brûlaient leur parfum d'essence. De temps en temps, une orange mûre, détachée tout à coup, tombait près de moi, comme alourdie de chaleur, avec un bruit mat, sans écho, sur la terre pleine. Je n'avais qu'à allonger la main. C'étaient des fruits superbes, d'un rouge pourpre à l'intérieur. Ils me paraissaient exquis. Et puis l'horizon était si beau. Entre les feuilles, la mer mettait des espaces bleus, éblouissants comme des morceaux de verre brisés qui miroitaient dans la brume de l'air. Avec cela, le mouvement du flot agitant l'atmosphère à de grandes distances, ce murmure cadencé qui vous berce comme dans une barque invisible, la chaleur, l'odeur des oranges. Ah, qu'on était bien pour dormir dans le jardin de bas. Quelquefois cependant, au meilleur moment de la sieste, des éclats de tambour me réveillaient en sursaut. C'était de malheureux tapins qui venaient s'exercer en bas sur la route. À travers les trous de la haie, j'apercevais le cuivre des tambours et les grands tabliers blancs sur les pantalons rouges. Pour s'abriter un peu de la lumière aveuglante que la poussière de la route leur renvoyait impitoyablement, les pauvres diables venaient se mettre au pied du jardin, dans l'ombre courte de la haie, et ils tapaient, et ils avaient chaud. Alors, m'arrachant de force à mon hypnotisme, je m'amusais à leur jeter quelques-uns de ces beaux fruits d'or rouges qui pendaient près de ma main. Le tambour visé s'arrêtait. Il y avait une minute d'hésitation, un regard circulaire pour voir d'où venait la superbe orange roulant devant lui dans le fossé. Puis il la ramassait bien vite et mordait à pleines dents, sans même enlever l'écorce. Je me souviens aussi que tout à côté de Barbicalia, et séparé seulement par un petit mur bas, il y avait un jardinet assez bizarre que je dominais de la hauteur où je me trouvais. C'était un petit coin de terre bourgeoisement dessiné. Ses allées blondes de sable bordées de buis très verts, les deux cyprès de sa porte d'entrée lui donnaient l'aspect d'une bastide marseillaise. Pas une ligne d'ombre. Au fond, un bâtiment de pierre blanche avec des jours de caveau au ras du sol.
J'avais d'abord cru à une maison de campagne, mais en y regardant mieux, la croix qui la surmontait, une inscription que je voyais de loin creusée dans la pierre, sans en distinguer le texte, me firent reconnaître un tombeau de famille corse. Tout autour d'Ajaccio, il y a beaucoup de ces petites chapelles mortuaires, dressées au milieu de jardins, à elles seules. La famille y vient, le dimanche, rendre visite à ses morts. Ainsi comprise, la mort est moins lugubre que dans la confusion des cimetières. Des pas amis troublent seul le silence. De ma place, je voyais un bon vieux trottiner tranquillement par les allées. Tout le jour, il taillait les arbres, bêchait, arrosait, enlevait les fleurs fanées avec un soin minutieux. Puis, au soleil couchant, il entrait dans la petite chapelle où dormaient les morts de sa famille. Il resserrait la bêche, les râteaux, les grands arrosoirs, tout cela avec la tranquillité, la sérénité d'un jardinier de cimetière. Pourtant, sans qu'il s'en rendît bien compte, ce brave homme travaillait avec un certain recueillement. Tous les bruits amortis et la porte du caveau refermée, chaque fois discrètement, comme s'il eût craint de réveiller quelqu'un. Dans le grand silence radieux, l'entretien de ce petit jardin ne troublait pas un oiseau. Et son voisinage n'avait rien d'attristant. Seulement, la mer en paraissait plus immense. Le ciel plus haut. Et cette sieste sans fin mettait tout autour d'elle, parmi la nature troublante, accablante à force de vie, le sentiment de l'éternel repos.